What's up guys, PowerJulien RPZ et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Lost Planet 3. Donc c'est parti, on va sprinter. Donc il me semble qu'on était dans un moment assez chiant du fait que qu'on avait dépensé, enfin que j'avais dépensé comme un con à thermoénergie. Du coup on a fait des missions pour en récupérer et je pense en avoir suffisamment. Il me semble qu'il en fallait 2500. On a dû atteindre ce seuil. Oh, sinon je vais péter un câble. On regarde un petit peu, finalement c'est pas si dégueulasse comme ça cette texture. Non, c'est vrai qu'il y avait des bestioles. Cours. Enfin en tout cas on voit vraiment qu'on est dans un grand un univers quoi. Je pensais pas que la neige et les montagnes de glace pouvaient être aussi jolies, vous voyez. Donc vraiment c'est là que je commence à remarquer les jeux de lumière etc. Parce que je ne fais pas cette vidéo le jour, je fais cette vidéo quasi de nuit. Et putain, ouais, les effets de lumière, les jeux, etc. C'est vraiment... Ah ouais, quand on rentre vraiment en immersion dans le jeu, on est direct dans l'univers glacial du truc. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, peut-être qu'il y a eu une mise à jour qui a amélioré les graphismes, mais je sais pas, mais alors là... I'm shocked. Je trouvais le jeu beaucoup plus moche avant. Ou alors c'est peut-être moi, je me sens happy. Happy today. Donc attendez, on continue. Ok. Attends, on va activer notre musique. Ah non, mais alors là, pourquoi? Pourquoi c'est temporairement désactivé, les amis? Je ne sais pas. Bon, on va colonis. Ah non, mais il y a un truc là. Il y a un truc, les amis. Quelque chose vient de se passer sur mon jeu. Les graphismes, il y a un truc là. Ah, sous ma gueule. Je sais pas si je suis passé en 1080p ou un truc comme ça, mais... Putain, c'est des graphismes, mais c'est waouh. Il y a un truc qui a changé là. Je sais pas si vous remarquez. Bizarre. Par contre, j'ai l'HRC. Ça nique. Ça nique. Ah putain. Et je vous jure, ça m'énerve. Direct, à chaque fois qu'il y a la rentrée, bah généralement j'ai les lèvres GRC. Enfin, c'est à chaque fois qu'il y a un changement de température, pim, mes lèvres elles en prennent un coup, je sais pas pourquoi. Je connais pas trop l'explication scientifique. Et à chaque fois je me les nique. J'ai réussi à éviter ça toutes les vacances d'été presque. Parce que normalement elles se dessèchent assez rapidement, mais alors là, mais dès que je suis passé, il faisait un petit peu plus froid, bim, allez hop. Je crois que c'est le truc le plus chiant. Non, j'ai quand même quelque chose de plus chiant. C'est quand j'ai tellement mal à la gorge que je peux plus parler. Alors ça pour les vidéos les gens, mais c'est une horreur. Sur un de mes épisodes Resident Evil 6, j'avais eu ça. J'ai fait un épisode sans commenter quoi en fait. Parce qu'il fallait que je le fasse l'épisode en gros. Mais j'avais plus de voix, c'était monstrueux. Novec, Neo Venus Construction, leader mondial en matière d'énergie, de communication et dans le domaine médical. D'un point de vue purement philanthropique, cette corporation est la plus généreuse de l'histoire. C'est une lueur d'espoir au plus profond des ténèbres. Le héros de l'humanité. Neuvec arpente l'univers à la recherche d'une nouvelle source d'énergie. Mais pourquoi ils nous remettent ça, je crois pas, on avait vu ça déjà. Neuvec. Attendez. D'accord. Pour votre avenir. Je ne comprends pas. Attendez. On va aller. Alors, utiliser le marqueur d'expédition des chiants de Sepia. Bah ouais, pourtant c'est bien les mini trucs, je sais pas, je comprends pas. I don't know. Peut-être descendre du truc, ouais. Donc là j'ai suffisamment de TN, j'en ai 5660. Donc attendez, d'abord. Ouais, attendez, objectif. On va faire l'objectif amélioration d'abord. Donc ça me demande d'aller au sous-sol. On va aller voir le mec pour m'améliorer. Cette fois on va améliorer le bon truc. Voilà, parce que j'avais oublié qu'en fait la mission c'était de faire un massacre d'Acrid. Et du coup j'ai pris tout sauf le bon truc. Je pensais que ça allait être automatique, mais non. Bande d'enculé, il faut me faire payer 2500 TN. C'est cher 2500 TN, hein. Faut s'en rendre compte les amis. Faut s'en rendre compte au bout d'un moment, moi je vous le dis. Putain, on dirait que tout le monde peut se payer ça. Mais c'est pas croyable. Hein. Par contre il y a quelque chose qui a pas changé sur le jeu, hein, même si les graphismes sont plus jolis. C'est que je dois toujours couvrir les chargements de une demi-heure en racontant de la merde. Voilà, c'est super. Allez, c'est parti. Go. Allez, Jim Payton. Go, 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 go. Et hop.
Vous avez vu comment je tourne trop naturellement? Alors. Salut Gale. Hey Gale. T'es prêt à installer un nouvel outil sur mon méca? Pas de problème, chef. Grâce à cette pièce chopée sur le treuil de la roche, je peux améliorer ton méca comme prévu. Je suis un mec comme ça, moi. Branche tout ce que t'as trouvé dans ma petite cabine et choisis ce que tu veux. Oh, et si t'as pas assez de matériel mais beaucoup d'argent, je suis sûr que Birdie pourra t'aider. On l'appelle pas l'intendant pour rien. T'as compris? Ouais, moi non plus. D'accord. Bah ouais, bah on... pourtant tout s'est bien sauvegardé et je sais pas, ça nous dit rien. Ah oui, c'est vrai qu'une fois qu'on a le fric, il faut aller voir Birdie pour lui acheter des trucs. Attendez. L'amélioration qu'on veut, nous, c'est quelque chose qui nous permet de récupérer Athènes depuis le... Cool. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est ça, ça absorbe... Attendez. Je vérifie bien. Treuil. Ah, c'était ça. Cool. Je peux te faire ça en quelques minutes. Merde. Bouge pas. C'est... Eh oui, forcément, c'était le truc qui coûtait rien. Oh, le con. Oh, l'abruti que je suis. À la prochaine, chef. Voilà, mon bon monsieur. J'ai amélioré ta pince en installant un treuil flambant neuf. Câble synthétique, deux aciers qualité premium. Volet anti-abrasion, chômard à billes sous contrôle numérique. Il est compatible avec la tyrolienne de ton grappin. Tout ça parce que t'es mon préféré. Et pas parce que la roche ne me laisse pas trafiquer son méca. Voilà quoi, c'est de la bonne cam. Maintenant file avant que je regrette. Non, je déconne, je te kiffe. Amuse-toi, casse rien. Oh, et comme je suis du genre à donner sans compter, je t'ai bricolé un détecteur de TN. Il détectera automatiquement les poches thermiques des environs et transformera l'activité sismique en signal audio. Ouvre tes oreilles et utilise ce signal pour localiser les dépôts souterrains. Un peu comme une partie de chaud-froid. De rien, mon ami. Comment il s'en fout, Jim Patton? Ah ouais, je hoche la tête, ouais. C'est bien. Ah mais c'est cool. Tu m'as installé mon... ouais, c'est bien, super. C'est génial. Le truc, genre le mec trop intéressé, quoi. Alors... plateforme principale. Vous êtes au cinquième étage. Le chargement n'est toujours pas terminé. J'en ai ras le cul de couvrir le chargement de une demi-heure. Pourtant, en chantant, je continue de le faire. Ah putain, mais hey, c'est abusé là, il y en a marre. Ah, il a eu peur, hein. J'allais lui mettre une tarte dans la gueule. Ah. Putain, allez. Ils disent voyage rapide seulement disponible en sortant des zones, ok. Je savais même pas qu'il y avait un voyage rapide. Et moi je me faisais chier. Attends. C'est maintenant qu'ils m'apprennent les voyages rapides. Ouais, mais bon, c'est quoi l'endroit le plus pratique? Je pense que c'est ça, hein, c'est le plus proche. Je peux voyager rapidement. Oui. Putain. C'est l'innovation du siècle. Oh là là. Ça nous évitera, enfin ça nous fera un gros chargement au lieu de trois gros chargements, c'est déjà ça. On va gagner du temps, on va gagner du temps de jeu les amis, c'est bien. Allez. S'il te plaît. Finis-toi chargement. Oh là là. Et il y a eu, ah c'est bon. Oh ça va. Ok. C'est quoi ça, c'est pas une tempête, c'est une pluie de météo. Oh my god. Est-ce que je vais survivre? Ok. Je pense que c'était... Je suis sorti de mauvais jour. Dégage. Voilà. J'espère que mon méca il va tenir le coup. Hein. Mais c'est ouf les impacts. Putain c'est Carglass puissance 2000. Les impacts se réparent instantanément. Putain Carglass a fait faillite. Les amis, on a trouvé le produit du siècle. Putain, allez. Oh. Pluie de merde, là, oh. Allez. Nous sommes à 4000 mètres de l'objectif.
D'accord. Ok, puisque tu me l'as demandé, voilà pourquoi mon visage ne gèle pas. Ma combinaison de survie, créée par les plus grands ingénieurs de Neuvec. Et c'est pas donné. Tissu impair respirant, isolation thermique autorégulée, plastification coupe-vent, protection anti-humidité et micro-capillarité. Et on peut le laver à la machine. Ouais, bon. L'appareil de chauffage situé là, au niveau du cou, souffle suffisamment pour me réchauffer le visage même en cas de tempête. Bien sûr, ça a ses limites, mais le truc pour le visage, ça marche bien. Alors, ça t'impressionne ou il faut que je te parle en plus des fluoropolymères ? Contrôle Coronis, okay. Répondez. Je m'approche du gros dépôt de TN. Le mec, il a fait genre qu'il comprenait rien quand le docteur lui a parlé, mais alors là, je sais pas ce que tu viens de nous dire, mec. Va chier, Pétan, et va chier avec ton treuil. Jim, souvenez-vous, une fois sur place, les grandes poches thermiques peuvent surcharger votre poste T. Alors faites attention. Ok, je sais ouais, quoi ça. On va pas s'enflammer comme une allumette. Attends, attends. Hé, la roche, comment se portent les chevalets de pompage dans la vallée Est? What the fuck is there, man? Contrôle Coronis, terminé. What? Ok. Wouhou, c'est génial. Attendez. Oh non. Mais merde. C'est débile. Mon truc s'étend presque jusqu'en haut. Oh, il y a la musique qui reste activée dans le méca. Ah, ça c'est stylé par contre, hein. La musique qui reste activée même quand on sort. Comme ça on a de la musique à tous les acrides. À toutes, à tous les people. Allez, oh. Mais active ton putain de crampin là. Ok. Où suis-je? J'ai froid. Ok. Je pense qu'il faut... What? Quoi? Bordel. Qu'est-ce que... Oui. Je fais une tête bizarre en ce moment même, hein. Heureusement que je ne suis pas en face commentary. Ou sinon j'aurais fait le buzz sur internet. Je sais pas. Pourquoi il s'est... Je suis mort. Attendez. Qu'est-ce? D'accord, en fait il y a de l'eau gelée en bas. Mais du coup, je suis sans faire quoi. What? Quoi? What the fuck is this, man? Oh. Oh putain. Poussez-vous. Je suis sur Lost Planet, pas Dead Space, sauvez-moi. Arrêtez cette musique stressante, bordel. C'est pas un jeu comme ça, Lost Planet. Putain, allez. Je me fais surprendre. Crève-toi, voilà. Vous allez. Oh non, merde, il y en a plusieurs. Putain de bouche là. Allez, 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 merde, 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 merde. Oui. Ils sont où? Oh, il est. Mais arrêtez. Faut plus que personne se jette sur ma gueule, sinon. Ouf. Je me suis sauvé. Où il fallait là. Oh non. What the fuck? Ta merde. Ah! Dégagé! Putain, ils peuvent grimper ces enc... Putain de merde. Voilà. Oh non. Oh là là là. Où je suis tombé là? Je vais mourir. Oh putain, mais. Vous êtes trop! Ouh. Putain. Toi tu te dégages là. Oh non, oh non, oh non. Je ne veux pas crever après avoir survécu à tout ça. Ah, ne tombe pas. Putain, mais tu vas te soigner, ouais. Oh là là là, quelle bande d'enculés, hein. Voilà. Eh mais... Non. Pourquoi vous faites ça? Putain, c'est horrible, sérieux. Oh. Ils m'ont fait spawner dans un truc. Mais c'est une blague.
Putain, et j'ai pas compris pour la première fois, je suis mort en fait. Genre j'ai sauté, et là j'ai ressauté pareil, et ça a marché, je sais pas. C'est incompréhensible, mais je pense que le pire moment quand tu crèves, c'est le chargement en fait. Voilà, t'as un truc qui bouge. Oh, wow. Trop fort. Allez, c'est parti. Go! Voilà, c'est bien stressé. Et là, je vous raterai pas cette fois, les amis. Y'a pas de problème. Alors, attends, on fuit. Pourquoi il est mort lui? Crève. Allez, voilà, il y a rien de moins déjà. On continue. Il y a un deuxième spawner là. Allez. Yeah, il y en a un autre ici. Vas-y, tombe en rappel. Olé. Merde. Je suis quelque part. Putain. Oh là là là. Et mais en fait, c'était ça la mission, c'est là où je dois niquer tout le nid d'acryte, c'est ça le délire en fait. Hein. J'ai compris. Où suis-je? Putain. C'est vraiment des connards là à vouloir me buter absolument. Hein. Putain, ils font trop stresser ces enculés. Hein. Et je sais pas, il aurait fallu venir à 20 ici. Hein. J'ai l'impression de pas lui faire de dégâts, mais... Oh putain, c'est chaud ça. Allez. Oh putain, encore l'ambulance. Il y en a 20 qui sont passés depuis le début de la journée. C'est grave ça. Ouais. Je crois qu'il n'y a plus qu'un seul spawner. Allez, on y est, putain, j'ai plus de balles. Je sais qu'il y en avait ici. Allez vite. Allez, grimpe. Hop. Ramasse les balles. C'est hyper difficile. Wow. Je sais pas ce qu'il vient de me faire là, mais. Hop. Merde. Putain, merde. Ça, c'est un spawner de trucs qui fait chier là. Voilà. On peut fuir. Fuis. Putain, j'ai réussi. Allez, prends bien ton temps. Il y a un truc qui te monte sur la gueule là. Oh, wow, qu'est-ce qu'il fait? T'es un fou toi mec hein. Wow. Eh mais il s'en bat. Là c'est sûr, c'est pas un mirage. Qu'est-ce qu'il y a? Et voilà, encore parti. De quoi? Vas-y, cache-toi. Je sais que tu es là. Mais qu'est-ce qu'il a vu? À moins que je perde la boue. Ah, il a vu le mec. Et que... Je parle tout seul, vas-y. Oh, putain, il y a encore l'autre. Pourquoi je l'ai pas vu? Je suis dégoûté, j'étais en train de m'occuper des méchants là. Bonjour. Il se cache forcément derrière ces merdes là. Hein. Je sais que je vais me faire attaquer. Il est où? C'est The Big Crab.
Et le truc il fait la taille de la map et il se déplace à 30 km/h. Non, à 30 km/h, je... encore plus rapide que ça, cet enculé. Agile, c'est pas possible, c'est un géant. Il faut pas être plus lent, ce truc. Et c'est toujours pas pété. Là. J'ai plus du snipe, c'est génial. C'est la fête. Oh là, mais qu'est-ce que... Allez, mais merde, comment ça se fait qu'il peut se protéger cet enfoiré là? Allez, 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 mais merde là. Sors une arme où t'as des balles. Et c'est nul ce fusil là. Oh là là, je vais récupérer des mines parce que là c'est pas possible. Putain, heureusement que je suis à côté. Ah, j'ai récupéré des grenades. Allez, attends. Une fois que j'arrive pas à des mules, c'est maintenant qu'il me fait sortir le flingue. T'es intelligent toi. Oh le bordel. Qu'est-ce que ça? Voilà, allez hop. Voilà! Et je crois que j'ai réussi à lui mettre la grenade dans la bouche! Putain, c'était mal ça, hein, connard! Allez, mais merde! Ça pouvait pas être one shot, une grenade dans la bouche, Clémus! Putain! En plus, il a fermé la gueule et tout avec la grenade dedans! Je sais pas comment j'ai fait ça, mais je me suis gavé! Détache-toi, oui. Rapid fire. Non, voilà. Oh là là, vite, on arrive pas d'ennemis. Mange-toi ça. Ouais, ou ça a pas explosé. Bon, je vais essayer de faire comme tout à l'heure. Dès qu'il ouvre sa gueule, je lui balance dans la gueule, dans la bouche, la grenade, tu vois. Et...
pas regueuler comme avant un peu? Ah oui. Ah bah ça. Merde, ça rebondit. Putain, ça a pas pété sur lui, merde. Non, 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 pas d'accord. Oh, faut que je vais faire tant que. Je crois que c'est pas full régène, allez. D'accord. Allez. Putain, y'a des mules, non? Chier! Arrêtez de me suivre, tu veux pas charger un petit peu parce que je te prends dans le cul là. Allez merde. Allez viens. Voilà. Oh là. Oui, as it champion. My friends. Oh bordel. Putain. Je te jure. Oh. Comme c'était chiant. C'est grave, sérieux. C'est quoi ce bordel? Ok. Putain, ambulance. Chef, il faut qu'on parle. Mais putain, il y a eu quoi? Un génocide ou quoi? C'est pas possible. Coronis, répondez. Quelqu'un m'entend? Bon sang. Et mais c'est, ça doit être une vieille station, ça. Qu'est-ce que... Trois petits points. Oh là là, c'est le moment que tout le monde veut savoir ce qui se passe. Donc, le youtubeur, vu que c'est un gros connard, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? On se le demande, hein? Hein? Moi, je vous le dis pas tant que le chargement se finit pas, donc je vais vous faire envie pendant au moins une demi-heure, là, hein? Tu sais pas, hein? 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 J'en ai marre, allez, j'ai envie de le dire, putain, allez, bouge ton cul, là, chargement de merde. Hein, tu sais pas, hein? Eh ben, il arrête la vidéo là, et oui, les amis, donc on va se quitter. Donc on se retrouvera après. Bon, ça fait quand même une longue vidéo, hein. Mais voilà, là, on est dans un endroit, voilà, où ça va un petit peu changer les choses. Ça a changé la donne, enfin, alléluia. Oh, il va enfin se passer quelque chose au niveau scénario. Donc, je suis content. J'espère que vous aussi. En tout cas, j'ai pris plaisir à vous faire cette vidéo. Et j'ai plus qu'une seule chose à vous dire à tout le monde. Tchuss, et à la prochaine.